Bon, ben, je présente donc Jean Rua, donc qui est un jeune groupe leader du centre d'immunologie. On a eu l'occasion déjà d'un petit peu échanger, c'est pour ça que j'ai suggéré son nom pour les séminaires. Elle développe un thème extrêmement original, c'est l'immunité des ménages, que nous on connaît comme, je dirais, le LCR, comme outil de diagnostic. Et en fait, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant et c'est une interface majeure. Merci. Merci pour l'introduction et merci de m'inviter. Je suis très contente de pouvoir partager mes recherches avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler effectivement des méninges et de leur rôle dans l'interaction avec le cerveau. Donc, juste un petit overview de notre équipe. Donc, on a une partie de l'équipe qui travaille sur la neuro-infection, une partie sur la neurocognition et une partie sur la neurobiomécanique. Et on a principalement un bioinformaticien qui interagit. Et je vais vous parler globalement de la neuro-infection plus en détail parce que c'est, je pense, quelque chose qui vous intéresse plus. Donc, tout d'abord, une introduction sur le système nerveux central et ce qu'on pensait jusqu'alors, est-ce que le système nerveux central est vraiment silencieux de manière immunologique? Donc, tout d'abord, il faut savoir que le parenchyme est entouré de méninges, donc c'est un tissu fibreux à l'interface entre le parenchyme, donc le cerveau, et l'os. Donc ce tissu comprend plusieurs feuillets. Le feuillet interne, la pimaire, qui est vraiment associé au parenchyme cérébral. Le feuillet externe, la durmère, qui est associé à l'os et à laquelle on s'intéresse particulièrement. Et l'arachnoïde mater. Et donc du coup, les deux, ces feuillets sont parcourus donc, par ils encaissent le CSF, le liquide céphalo-rachidien, qui va donc permettre de faire un coussin pour le cerveau pendant les coups et de permettre aussi l'apport le nettoyage de certains composés produits par le cerveau. Donc si on zoome sur ces méninges, donc pendant longtemps on pensait que c'était juste un tissu fibreux sans grand intérêt, donc il était souvent pas très observé. Et en fait on s'est rendu compte que ces méninges sont extrêmement riches en cellules immunitaires. Donc il y a des feuillets, donc en particulier le feuillet externe, la durmère, qui contient pratiquement toutes les cellules immunitaires qu'on peut imaginer. Donc cellules dendritiques, cellules mastocytaires, B-cells, ILC, T-cells, macrophages méningés. Il y a des macrophages au niveau de la pimaire également. Et donc du coup, cette barrière externe a été beaucoup moins étudiée que la barrière interne, à savoir la barrière du parenchyme. Donc on connaît assez bien les détails de la blood-brain barrière. Donc cette barrière est composée des cellules endothéliales, des astrocytes, etc. Par contre, on connaît beaucoup moins les propriétés de la barrière externe, qui pourtant recouvre une partie très importante de la surface du cerveau. Et donc du coup, cette barrière-là est beaucoup plus perméable au niveau des vaisseaux, par exemple. Donc des composés peuvent pénétrer au niveau du liquide céphalo-rachidien. Et on pense que les méninges sont enrichis en cellules immunitaires, justement pour bloquer l'invasion potentielle de ces composés toxiques au niveau du cerveau. Donc les cellules immunitaires des méninges, de manière intéressante, ont vraiment des rôles à plusieurs aspects. Donc notamment au niveau de la cognition, je reviendrai un peu plus tard dans le talk, mais globalement, il a été montré que ces cellules immunitaires, notamment par la libération de cytokines, interférons gamma, etc., peuvent moduler le comportement des souris en agissant sur les neurones, et la voie exacte n'est pas encore connue. On a aussi pu montrer dans des cas d'inflammation que les méninges sont très importantes pour contrôler l'inflammation du cerveau. Donc on a étudié des cas de neuro-inflammation auto-immune, donc comme le modèle de IEI, où
Dans ce modèle-là, la pathologie est induite par des lymphocytes CD4. Ils vont reconnaître des composants cérébraux et donc du coup induire une pathologie auto-immune au niveau du système nerveux central. Et en fait, on a pu remarquer que quand on regarde, donc on peut peler les méninges de l'os au niveau des vertèbres, et on peut voir que l'ensemble de ces méninges a déjà des clusters inflammatoires avant même que la pathologie se développe chez la souris. Donc ce sont vraiment des clusters inflammatoires où on peut distinguer des cellules qu'on retrouve spécifiquement dans les méninges, comme les ILC, etc., qui vont promouvoir l'inflammation et la réactivation des cellules T autoréactives. Et ces cellules T vont ensuite envahir le parenchyme et déclencher la maladie chez la souris. Et donc le fait qu'on puisse retrouver cette inflammation en périphérie, enfin au niveau des méninges, avant même que la pathologie soit ressentie chez la souris, indique que c'est vraiment des événements précoces qui sont en fait nécessaires. On a pu montrer qu'ils étaient nécessaires à l'invasion du parenchyme plus tard. Et donc en fait, ce qui se passe ensuite, c'est que ces foyers inflammatoires au niveau des méninges vont s'amplifier et induire la dégradation de la matrice et l'invasion du parenchyme et ensuite la dégradation de myéline. Donc c'est vraiment un exemple qui montre que l'inflammation du cerveau n'est pas seulement dépendante de l'ouverture de la BBB, mais qu'il y a vraiment un composant méninger qui peut aussi contrôler l'ouverture et l'inflammation du cerveau. On a aussi d'autres exemples où cette barrière méningée est importante, dans des exemples de traumatic brain injury ou des exemples d'infection, où là encore on voit que c'est vraiment une inflammation à la surface qui ensuite se propage à l'intérieur. Et donc ce qu'on peut voir sur cette vidéo, donc c'est une imagerie en intravital où on peut voir des macrophages en vert, des cellules T cytotoxiques en rose. Et donc là, on est dans une souris qui a une méningite, donc c'est le pic de la méningite. Donc la souris va succomber à la fin du film. Mais en fait, on peut voir que ces macrophages méningés sont vraiment en train d'interagir avec les lymphocytes TCD8, parfois d'interactions courtes, parfois d'interactions plus longues. Et ces interactions, en fait, on a montré qu'elles aboutissent à la destruction des macrophages méningés qui ont rattrapé le virus et ont été infectés. Et donc, ça conduit à une détérioration du système, à un œdème et donc à la mort de la souris. Donc tout ça, ce sont juste quelques exemples pour montrer que, effectivement, l'inflammation des méninges peut conduire à l'inflammation du cerveau. Et donc, si on regarde plus précisément, nous, on s'intéresse en particulier aux macrophages des méninges. Et donc, je vais vous montrer un peu quelle est la diversité des macrophages dans les méninges. Donc si on regarde les méninges, pour être très concret, c'est au niveau des souris, donc c'est les méninges de la dure mère qu'on étudie en particulier. Donc on prend le cerveau, le crâne, et on pèle le crâne, on pèle les méninges à partir du crâne. Et ce qu'on peut voir, c'est que les macrophages ici sont en permanence en train de tester la vasculature et de vérifier, on pense, si des composants sont en train de liquer en dehors de la vasculature. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces méninges, donc c'est un tout petit tissu, et il y a pourtant plus de cellules immunitaires en termes de quantité et de qualité dans ce petit tissu que dans l'ensemble du parenchyme. Donc c'est vraiment un foyer immunitaire très important. Donc du coup, on a commencé à s'intéresser à ces macrophages parce qu'ils étaient vraiment majoritaires, même au steady state, ils sont présents en grande quantité au niveau des méninges. Et on a pu remarquer qu'il y avait plusieurs types de macrophages, donc on les marque par CD206, le récepteur romanose, et on a pu remarquer qu'il y avait plusieurs catégories de macrophages, des macrophages MHC2 positifs et des macrophages MHC2 négatifs, et ça même au steady state, sans inflammation, sans infection. Et donc du coup, on s'intéresse à ces deux populations de macrophages. Donc on peut faire des méthodes d'in-situ cytométrie pour vérifier par plusieurs techniques qu'on a bien ces deux populations. Et on a remarqué que ces populations changent au cours du temps. Donc les MHC2 négatives
sont présentes de manière néonatale. Et au fur et à mesure, on enrichit nos méninges en population MHC2 positive. Donc pour l'instant, on sert de MHC2 négatif et positif comme marqueur de ces deux populations macrophages. On ne connaît pas encore la fonction de MHC2 à la surface de ces macrophages. On pense que c'est un programme transcriptomique vraiment différent entre ces deux populations cellulaires. Donc on s'intéresse notamment à l'aspect qui permet justement de transformer les MHC2 négatives en MHC2 positives au cours du temps. Donc on a plusieurs hypothèses en cours. On sait qu'il y a une partie des MHC2 négatives qui se différencient en MHC2 positives. On sait qu'il y a aussi des monocytes qui infiltrent les méninges, même au steady state, et qui enrichissent la population des MHC2 positives. On sait que l'interféron gamma, notamment libéré par les lymphocytes T, est important. Donc on suppose qu'il y a une espèce de maturation du système au cours de la vie. Et on a plusieurs indications que le microbiote, le remodelage vasculaire et la nutrition sont aussi importants pour permettre cette transition des MHC2 négatives vers les MHC2 positives. Donc, juste pour illustrer en une slide ces hypothèses, donc on peut voir, même au niveau néonatal, même au steady state, des leakages vasculaires qui sont transientes, mais qui sont enrichis en cellules MHC2 positives. Et donc, on suppose, ici aussi, on suppose qu'il y a un remodelage vasculaire qui se produit notamment pendant la période néonatale et qui permet de créer une inflammation à bas bruit permettant la maturation du système immunitaire au niveau des méninges. On sait aussi que l'alimentation est importante pour permettre un équilibre entre ces deux populations, puisque on fait des méthodes de quantification par imagerie cytométrique, où en fait chaque point représente un macrophage, et on peut séparer les sutures. Donc là, on serait vers le bulbe olfactif de la souris, et là, vers le cérébellum, donc vers l'arrière de la tête. Et donc, du coup, on repère la suture, qui est une structure assez particulière, puisque c'est là que se trouve le sinus veineux qui va drainer l'ensemble des vaisseaux de l'os, du cerveau, des méninges. Donc c'est vraiment un hotspot pour recueillir tous les composés toxiques du cerveau. Et donc on peut séparer cette structure des lobes, et dans ce cas-là, les deux structures ont le même phénotype, c'est-à-dire que on va diminuer la proportion des cellules MHC2 positives si on induit une restriction calorique aux souris. Donc on pense que c'est vraiment un ensemble de paramètres humains et non humains qui permettent la maturation des macrophages MHC2 positifs. Mais pourquoi on s'intéresse à ces deux populations? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces deux populations? Il y a plusieurs indices qui nous font penser que oui, ces deux populations sont différentes. Donc déjà, si on regarde le transcriptome au steady state de ces deux populations, on voit des centaines de gènes qui sont différents et qui sont liés. Alors pour les MHC2 positifs, c'est-à-dire celles qu'on acquiert au fur et à mesure, principalement liées au recrutement de cellules immunitaires, à l'activation de cellules immunitaires. Et pour les MHC2 négatives, celles qu'on a en néonatal, plus de liens avec tout ce qui est développement de tissus, prolifération de stem cells, etc. Donc rien qu'en voyant le transcriptome de ces deux cellules, on peut déjà imaginer que celles-là vont avoir plus un rôle peut-être antimicrobien inflammatoire, et celles-là peut-être plus un rôle de support de croissance du cerveau. Je vais passer. Donc globalement, si on s'intéresse à ces macrophages méningés, donc on sait qu'il y a plusieurs populations de macrophages, mais au final, à quoi elles servent? Donc, c'était pas une question facile à répondre parce que c'est difficile de dépléter ces macrophages méningés sans toucher la microglie, et donc du coup de pouvoir conclure seulement au rôle de ces macrophages méningés, mais on a développé des outils qui permettent maintenant d'y répondre. Donc déjà pour
comprendre comment ces macrophages méningés peuvent répondre à un stimulus périphérique. Donc on ne savait pas s'ils répondraient facilement ou pas, parce qu'ils sont quand même au niveau du système nerveux central, qui normalement est un peu isolé de la périphérie. Mais en fait, on se rend compte que non, ils n'ont aucun problème à répondre à un stimulus périphérique. Donc si on mime une infection en injectant du LPS en intrapéritonéal et qu'on fait du single cell sur l'ensemble des méninges, donc on n'a pas pris juste les macrophages, on a pris toutes les cellules nucléées des méninges, donc je ne les ai pas labellées ici, mais en gros on a les stromas ici, les endothéliums, il y a des lymphatiques, des smooth muscles, toutes les populations de cellules immunitaires. Et donc si on se concentre sur les macrophages méningés, ils sont ici. Donc on a une population, donc ce qu'on disait au départ, donc en bleu, c'est la population de cellules contrôle, et en LPS, c'est les souris qui ont été injectées par du LPS. Donc si on regarde le steady state, donc le bleu, on est dans cette population-là, et on retrouve exactement ce qu'on voyait avec d'autres méthodes, à savoir que les macrophages qu'on repère avec CD206 ont une population MHC2 positive, celle qu'on acquiert au fur et à mesure, et une population MHC2 négative qui, elle, est la population néonatale. Et on voit qu'on retrouve ces deux populations après injection de LPS. Donc ces deux populations sont présentes au steady state, et comme on peut le voir sur le shift au niveau de l'UMAP, on peut très facilement comprendre que ces populations répondent très fortement au LPS, puisque leur transcriptome est complètement changé. Il y a vraiment un shift de l'UMAP après injection de LPS. Donc, on peut faire des algorithmes qui permettent de comprendre des interactions entre toutes les populations cellulaires. Parce que nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir est-ce que ces populations MHC2 positives, celles qui ont l'air un peu plus immunes et antimicrobiennes, est-ce qu'elles parlent plus aux autres populations des méninges que les MHC2 négatives ? Donc pour ça, on peut utiliser des algorithmes qui permettent en fait de regarder le transcriptome des MHC2 positives, l'ensemble des ligands potentiels, des cytokines qu'elles vont relarguer, et de comparer ça à tous les récepteurs potentiels de toutes les cellules méningées. Donc on peut comme ça voir que, par exemple, les cellules MHC2 positives parlent beaucoup aux cellules stromales et aux ostéos au niveau des méninges. Et les MHC2 négatives ont l'air d'être beaucoup plus silencieuses. Donc elles vont aussi changer leur transcriptome, mais ça ne va pas se traduire par une augmentation de cytokines ou de ligands. Ça va plus être un changement de transcriptome au niveau de facteurs de croissance, etc. Donc on suppose que cette population est plus en lien avec son environnement en termes de en cas d'inflammation, et qu'elle serait plus à même de prévenir les autres populations cellulaires d'une infection. Donc une fois qu'on savait qu'on pouvait étudier ces différentes populations de macrophages, on voulait trouver un modèle qui permettait de tester notre hypothèse. Donc notre hypothèse, c'est de savoir est-ce que les macrophages méningés bloquent l'infection périphérique. Donc pour ça, on ne pouvait pas utiliser le modèle intracrânial. Donc le modèle intracrânial, que j'avais aussi utilisé pendant mon postdoc, qui est très classique, c'est une infection du virus donc en intracrânial. Donc on injecte LCMV directement dans le cerveau, et au bout de 6 jours, ça crée une méningite fatale. Ça représente la première vidéo que je vous avais montrée, avec beaucoup de cellules T cytotoxiques qui viennent détruire les cellules infectées, etc. Donc ça crée un œdème. Mais ça ne nous intéresse pas vraiment, parce que en injectant le virus dans le cerveau, on bypasse directement toutes les barrières qu'on veut étudier, nous. Donc on voulait utiliser une infection plus naturelle, donc périphérique. Et on ne pouvait pas vraiment utiliser le modèle périphérique classique, parce que lui, il ne crée pas de méningite. Donc les souris sont complètement asymptomatiques, elles sont infectées, mais elles clearent le virus, aucune méningite se développe. Et donc ce modèle n'a jamais été utilisé pour comprendre les méningites. Mais on se disait que peut-être, en fait, l'infection se crée, l'infection se produit, peut-être même dans les méninges, et qu'elle est bloquée à ce niveau-là, et que c'est pour ça que ça ne crée pas de méningite. Et c'est en fait le fait que l'infection périphérique est asymptomatique est peut-être un signe que la barrière méningée est très active et qu'elle empêche le virus de rentrer. Donc on s'est demandé, est-ce que cette réponse immune au niveau des méninges, c'est en fait elle qui empêche l'infection du cerveau.
Donc, on a développé un modèle transcrânien où on peut inhiber les macrophages méningés, donc en utilisant CSF1 récepteur antagoniste ou PLX, qui du coup déplète les macrophages. Et on a pu, donc quand on l'injecte en transcrânien, donc juste sous la peau de la souris, on peut dépléter les macrophages méningés sans dépléter la microglie ou les autres macrophages au niveau du corps. Et donc c'est un outil très utile pour nous. Donc on peut dépléter ces macrophages méningés et au moment où ils sont déplétés, on infecte avec LCMV. Donc normalement la souris survit, mais là si elle n'a plus de macrophages méningés, la souris meurt de méningite. Donc c'est comme si vraiment on avait fait sauter la barrière qui empêche le virus de rentrer. Mais où est-ce que le virus rentre exactement ? Donc si on a une infection dans une souris classique, donc qui ne va pas développer de méningite, le virus est injecté en périphérie, il infecte à bas bruit les méninges, il est probablement bloqué directement à ce niveau, et donc on n'arrive presque pas à le détecter en immunohistochimie. Par contre, si les macrophages sont transitoirement déplétés, on peut voir le leakage du virus au niveau des vaisseaux des méninges et à 3 jours. Et ensuite, à 6 jours, le virus a complètement envahi l'ensemble des méninges et donc la souris meurt de méningite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce leakage du virus se produit du coup au niveau des vaisseaux et on pense que c'est vraiment là où les macrophages normalement prélèvent le virus et le détruisent qu'il y a un défaut et que du coup le virus peut infecter les cellules des méninges, notamment les cellules stromales, les macrophages, etc. Et donc du coup, on se demandait quelle population de macrophages est vraiment importante pour ce rôle antiviral. Donc on a deux populations qui ont l'air au niveau transcriptomique vraiment différentes. Et on avait encore des problèmes pour cibler chaque population, pour avoir des modèles de déplétion spécifiques de chaque population. Donc je pourrais rentrer dans les détails, mais en gros, on a réussi à créer un modèle où on peut dépléter... spécifiquement la population MHC2 positive, on appelle ces souris réjuvénées parce que quand on regarde le méninge, il n'y a que des MHC2 négatifs, donc on dirait que la souris est très jeune, mais en fait elle a juste une déplétion transitoire des MHC2 positives. Et donc du coup on peut dépléter ces macrophages MHC2 positifs et on voit qu'après infection on a une augmentation de la charge virale quand ces macrophages sont absents. Donc ça montre que c'est probablement les macrophages MHC2 positifs, ceux qui sont acquis en postnatal, qui sont importants pour bloquer l'entrée et l'invasion du virus dans le cerveau. Et ensuite, on a pu essayer d'aller un peu plus loin au niveau mécanistique. Donc on sait que si on injecte la souris avec LCMV, une souris wild type, au niveau des méninges, donc là on a fait une qPCR sur les méninges, le tissu entier, 2 jours après infection LCMV, on voit que, de manière assez classique, il y a beaucoup de gènes antiviraux qui sont produits par les méninges qui permettent de bloquer l'infection. Et on voit que ce programme antiviral est totalement absent si les macrophages MHC2 positifs sont absents. Donc ça colle très bien avec le fait que la charge virale va augmenter. Donc on suppose que cette population d'MHC2 positifs qu'on acquiert avec le temps est vraiment importante pour bloquer l'entrée de pathogènes. Et ça colle assez bien avec ce qu'on sait chez l'homme et aussi chez la souris, c'est que les infections du système nerveux central sont encore plus fréquentes en néonatal par rapport aux adultes. Et effectivement, on peut voir chez la souris aussi, bon là j'ai pris un mois, mais on a des time points plus early, plus tôt. Plus on infecte une souris tôt, et plus le cerveau va s'infecter par rapport à une souris adulte. Et ça match encore avec le fait que ces souris jeunes n'ont pas encore eu le temps de développer les macrophages MHC2 positives qui sont importants pour la lutte antivirale. Donc on suppose qu'effectivement ces macrophages sont importants. Et on a aussi d'autres modèles qu'on a commencé à étudier, notamment SARS-CoV-2, où on peut voir aussi une infection du cerveau et des modifications au niveau des barrières méningées. Donc si on résume sur cette partie infection, donc on sait que on a deux populations de macrophages, une population MHC2 négative néonatale
et un shift vers une population MHD positive postnatale qui dépend de l'environnement, de facteurs nutritifs, de facteurs humains, et donc qui permet cet enrichissement en population MHD positive. Et on sait que quand le système peut s'activer si une infection est déclenchée, donc le virus va essayer de traverser les barrières, mais le système de macrophages, en particulier les macrophages MHC positifs, va être très efficace pour détruire le virus et aussi induire un état antiviral au niveau de l'ensemble des cellules méningées par probablement des cytokines. Et si, j'ai pas eu le temps de le montrer là, mais on sait que cette réponse est dépendante de l'interféron. Et on sait aussi que si les macrophages sont absents, le virus va pouvoir du coup se développer dans les méninges et induire une méningite fatale. Donc, on suppose que ces macrophages sont importants pour effectuer des actions antivirales. Et donc, il nous reste la question de pourquoi on est avec des populations MHC2 négatives, si elles n'ont pas de fonction antimicrobienne, à quoi peuvent-elles servir? Et donc c'est là qu'on a commencé à développer tout un pan de notre recherche sur tout l'aspect neurodéveloppemental et neurocognition. Et donc on essaie de comprendre comment ces populations de macrophages vont pouvoir stimuler la croissance du cerveau ou stimuler des facteurs nutritifs, notamment la population MHC2 négative qui est présente très tôt pendant le développement. Et donc pour cette partie, on se demande, est-ce que les macrophages méningés et aussi d'autres populations immunitaires méningées sont importantes pour promouvoir la neurogénèse développementale et la neurogénèse adulte? Donc ce qui est assez intéressant, c'est que les méninges, je vous avais dit au début, c'est des enveloppes qui sont à la surface du cerveau, à l'extérieur du cerveau. Mais en fait, si on regarde en détail, il y a vraiment une invagination des méninges au niveau de l'hippocampe. Donc les feuillets de méninges s'invaginent à plusieurs endroits, vraiment dans les structures internes du cerveau, entre les deux hémisphères, et aussi dans chaque hémisphère, sous l'hippocampe. Donc ça suggère qu'il y a un rôle potentiel de ces méninges dans des structures, dans une communication avec des structures internes du cerveau et pas seulement un blocage des barrières externes. Et on a été assez surpris de voir que ces macrophages méningés qu'on pensait être principalement au niveau de la périphérie se retrouvent aussi dans ces invaginations des méninges et qu'ils sont en contact avec les cellules notamment du gyrus denté. Et cette région, donc l'hippocampe, nous intéresse particulièrement parce que c'est une région très importante pour la neurogénèse. C'est une des seules régions chez l'adulte, en tout cas chez la souris, chez l'homme c'est controversé, qui permet de produire de nouveaux neurones avec une autre zone, la SVZ. Mais donc cette zone est très importante pour fournir de nouveaux neurones et l'hippocampe est très important pour tout ce qui est processus de mémorisation, etc. Donc c'est vrai que c'est une région particulièrement intéressante. Et en faisant le même traitement PLX que je vous avais montré tout à l'heure, on peut voir qu'on a une diminution des cellules neurogéniques, donc des nouveaux neurones produits, lorsque ces macrophages sont absents. Et donc on est en train d'essayer de comprendre quelles sont les interactions entre ces macrophages et les cellules, les nouveaux neurones qui sont créés. Et donc pour ça, on étudie plusieurs candidats, et là on est assez intéressé par des facteurs de croissance, des facteurs neurotrophiques, notamment l'IGF-1, qui sur l'ensemble des populations méningées est exprimé seulement par les macrophages, les méninges. Donc on suppose que c'est un candidat intéressant qui pourrait expliquer que les macrophages méningés permettent de promouvoir cette neurogénèse. Donc ça, c'était au niveau développemental. Et on se pose la même question au niveau adulte. C'est-à-dire, est-ce que chez l'adulte aussi, les macrophages méningés peuvent promouvoir la neurogénèse? Et on sait qu'il y a plusieurs études qui ont montré que, c'est un peu ce que je vous avais dit au début, qu'il y a certaines cytokines au niveau des méninges, libérées par des lymphocytes T, qui permettent de favoriser des processus cognitifs chez la souris. Donc, par exemple, l'interféron gamma, si on prend une souris dont les méninges ne produisent pas d'interféron gamma, ça devient un modèle d'autisme parce qu'elle ne peut plus
reconnaître un objet inanimé d'une autre souris. Donc il y a vraiment un effet assez fort des cytokines méningées sur le comportement social et le comportement général de la souris. Seulement, ça a été principalement regardé au niveau des cellules T, et donc ce qui nous étonne, parce que la plupart des cellules immunes au niveau des méninges, ce sont les macrophages qui, eux aussi, peuvent très facilement libérer des cytokines. Et donc, on se demande, est-ce que les macrophages méningés, chez l'adulte aussi, sont importants pour stimuler le cerveau et moduler les interactions. Donc, pour étudier cet aspect, on est passé sur un modèle de neurogénèse adulte qu'on a induit. Donc, quand on induit l'exercice, donc en plaçant des roues dans les cages des souris, donc les souris adorent ça, elles font beaucoup d'exercices, et en fait, ça stimule vraiment leur cerveau au niveau de l'hippocampe. Donc, ça avait déjà été décrit. Et on peut regarder les deux zones de neurogénèse. Donc j'ai parlé principalement de l'hippocampe, qui va permettre de fournir tous les neurones importants pour la mémorisation. Et il y a aussi une autre zone importante de la neurogénèse chez la souris, c'est la zone sous-ventriculaire qui va produire les neurones du bulbe olfactif. Mais pour notre histoire, peu importe, on veut juste s'intéresser au processus neurogénique de manière générale. Et donc, du coup, on a pu vérifier ce qui avait été dit dans la littérature, à savoir que, effectivement, quand les souris sont en activité, elles, pendant 2 semaines, il va y avoir une augmentation de la neurogénèse au niveau des deux zones dont j'ai parlé, donc au niveau de la zone sous-ventriculaire, qui va permettre de produire les neurones du bulbe olfactif, et au niveau du gyrus denté, de l'hippocampe, qui va permettre de fournir les neurones qui intègrent le circuit pour la mémorisation. Donc on a vraiment une augmentation par l'exercice de ces processus de neurogénèse. Et la littérature, pour l'instant, a beaucoup décrit des facteurs libérés par les muscles, par exemple, ou des facteurs hormonaux qui sont dans le sang et qui vont pouvoir ensuite affecter l'hippocampe. C'est toujours un peu délicat parce que on ne sait jamais comment ils accèdent en fait à ces régions, parce que la BBB empêche l'accès facile de cytokines, etc. Donc c'est toujours une question un peu de savoir comment une activité physique périphérique va pouvoir influer concrètement sur la prolifération de ces cellules à ce niveau-là. Et donc du coup, on a étudié, donc on a supposé que les macrophages et que les méninges pouvaient être entrés en compte. Et donc on a utilisé la même technique de déplétion de macrophages. Donc on peut voir au niveau des sutures et des lobes que la déplétion par le PLX marche très bien. Donc on a une très bonne déplétion de macrophages méningés. Et là encore, on a pu voir que quand les souris sont soumises à exercice, au lieu d'avoir une accumulation de neurogénèse et des cellules, de nouveaux neurones formés, on a réduit cette potentiation de l'exercice. Donc ça veut dire que l'exercice probablement stimule, on ne sait pas encore par quel mécanisme, les macrophages des méninges, qui vont libérer des facteurs probablement au niveau du liquide céphalo-rachidien ou en contact avec ces zones de neurogénèse et permettre leur prolifération. Et si ces macrophages sont absents, on a du coup une diminution de la neurogénèse. Donc pour nous, c'est très intéressant, ça veut vraiment dire que les macrophages des méninges peuvent contrôler l'état périphérique et en fonction de cet état, moduler la neurogénèse chez l'adulte. Et donc on est en train d'effectuer des expériences de single cell RNA-seq, single nuke RNA-seq, etc. Donc ça, c'est globalement le schéma qu'on a pour l'instant, avec tous les potentiels interactants entre les méninges activés par l'exercice d'un côté et l'hippocampe dont la neurogénèse est activée de l'autre côté. Donc on essaie de comprendre quelles sont les interactions entre ces deux populations cellulaires. Et donc, je vous ai parlé de l'infection chez l'adulte, je vous ai parlé du rôle des macrophages dans la neurogénèse, dans le développement du cerveau. Et donc, une observation qui nous intrigue, c'est la combinaison des deux, c'est-à-dire comment une infection va moduler les processus neurodéveloppementaux. Donc on sait que chez la mère infectée ou aussi en néonatal, une infection peut vraiment
perturber le cerveau. Et même si on ne détecte pas dans les premières semaines des perturbations, on peut voir que chez l'adolescent, chez l'adulte, etc., il va y avoir une augmentation des pathologies neurodéveloppementales. Et donc on s'intéresse en particulier à des pathologies de type autistique. Et donc du coup, notre hypothèse, elle est assez simple. Puisque l'inflammation qui se passe chez la mère ou en postnatal est périphérique, et que la conséquence, l'output qu'on voit est lié au développement du cerveau, on suppose que les méninges qui sont à l'interface entre la périphérie et le cerveau vont être très importantes et vont probablement amplifier l'inflammation et donc être détrimentales pour le développement du cerveau. Donc c'est des expériences qu'on est vraiment en train d'effectuer, même aujourd'hui. Donc du coup, cet après-midi par exemple, je retourne à Lumini pour trier les populations de macrophages après activation. Et pour l'instant, les datas qu'on a, c'est il semble vraiment que l'inflammation périnatale active les méninges et est détrimentale pour le cerveau, et que la déplétion des macrophages méningés peut limiter cette inflammation, parce qu'on suppose que c'est vraiment eux qui vont amplifier le signal. Donc potentiellement, on pourrait imaginer à long terme manipuler cette barrière méningée et la calmer pour diminuer les facteurs inflammatoires libérés au niveau du cerveau. Donc voilà en résumé pour cette partie. Donc on essaye non seulement de comprendre que font les macrophages MHC2 positifs plutôt au niveau de l'infection, que font les MHC2 négatives, on pense plutôt pour permettre un support nutritif au cerveau, et on s'intéresse aussi à ce qui se passe quand l'infection se fait pendant le développement. Je vais juste peut-être en une slide vous montrer un dernier aspect qu'on fait au labo, qui s'intéresse, donc on s'intéresse aux méninges avec le cerveau, et on s'intéresse aussi au rôle entre les méninges et l'os. Parce que une observation assez facile, c'est de voir que pendant le développement, la taille du cerveau et la taille de l'os est coordonnée. Donc on a toujours un cerveau qui matche l'os au-dessus. Et donc du coup, on suppose que les méninges, puisqu'elles sont à l'interface entre le cerveau et l'os, vont permettre de sentir la pression qui s'exerce au niveau du cerveau en train de s'étendre et de transduire cette information pour que le crâne, lui aussi, permette son extension. Et donc du coup, on est là aussi, c'est vraiment préliminaire, on est juste en train de tester ces hypothèses. L'hypothèse que l'augmentation de la pression intracrânienne pendant le développement va permettre un étirement des méninges, et cet étirement des méninges va activer peut-être les macrophages et permettre la prolifération de cellules osseuses. Et on suppose que c'est le cas, notamment parce que les macrophages méningés sont présents en particulier au niveau de ces structures ici, qui sont les fronts ostéogéniques. Donc c'est l'endroit où les os vont pousser, et on suppose qu'ils permettent comme ça de transduire cette information. Et on a quelques datas préliminaires où encore on peut voir qu'en modulant ces macrophages, on peut moduler la croissance du cerveau, mais c'est encore très de l'os, mais c'était très préliminaire. Donc du coup, pour résumer, on s'intéresse à la diversité et à l'origine de ces cellules du système immunitaire méningé, en particulier les macrophages. On s'intéresse à leur fonction homéostatique au niveau de la cognition, du développement du cerveau. On s'intéresse aussi à leurs propriétés pendant un challenge, notamment infectieux, auto-immun en particulier. Et on aimerait aller vers des recherches plus translationnelles. Parce que pour l'instant, on est principalement en train de travailler sur des modèles souris, mais dès qu'on a des résultats plus probants, on aimerait tester ça potentiellement en clinique. Voilà, et donc du coup, je remercie toute mon équipe. Ils sont tous très motivés. Je suis vraiment heureuse de les avoir. Et toutes mes sources de financement, en particulier l'ERC, qui permet d'augmenter la taille de l'équipe. Et je suis ravie de prendre des questions si vous en avez.